Et salut tout le monde, c'est Diablo. On se retrouve sur Flatout Ultimate Carnage. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous faire une petite démonstration du mode derby. Et pourquoi pas quelques courses supplémentaires, hein. Ça mange pas de pain. Et aussi des petits modes de jeu, là, comment dire, vous verrez bien. Donc voilà, un petit replay là, pour commencer, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, la course que je viens de faire là. Donc j'enchaîne en fait, hein, c'est la... Quand j'aurai publié la première vidéo, en fait la seconde vidéo, hein, celle-ci, c'est la suite de la première. Ouais, je viens juste de finir la course suivante. Donc je vous montre juste un tour, hein, je vais vous montrer les trois tours. Du coup, c'était un petit peu... compliqué à un certain moment, surtout la fin où j'ai réussi à passer premier à mettre de la ligne, quoi. C'était assez tendu, enfin bref. Bon, allez, on est parti. Voilà, premier, c'est toujours la même là, Leibing. T'es toute seule première là pendant un tour et demi. Donc voilà, là j'ai fait pas mal d'exécutions sur cette course aussi. Bon, la score d'avant, voilà, fini 8ème. Hein. Elle est pas mauvaise l'autre là. Faudra que je fasse gaffe. Voilà. On a débloqué donc le derby, le gas station, c'est parti. Et de nouveaux véhicules, donc on passe au niveau 2. Véhicules de niveau 2 en mode dans la catégorie de derby. D'ailleurs je vous ai pas montré ça dans la première vidéo, mais dans la concession, donc il y a trois types de véhicules, hein, trois catégories, on va dire, voilà. Donc la catégorie de derby, donc c'est voilà, solide pour la première classe de Flatout, mais elles sont pas aussi rapides que les autres. Ça c'est la catégorie intermédiaire, donc les voitures de course, donc moitié solide, moitié rapide, quoi, et les voitures de compète. Les plus fragiles mais les plus rapides. Voilà, donc là on a 11 000 crédits. On pourrait envisager de s'acheter un nouveau véhicule, mais je préfère économiser. À la limite, ouais, je me tâte en fait, parce que à la limite je pourrais m'acheter un pick-up ou le 4x4 pour le derby. Et quand j'aurai acheté assez de crédits, je m'achète un nouveau véhicule, un des derniers véhicules, quand je les aurai débloqués, et je revendrai la malice. Par contre, on peut pas déplacer la caméra, c'est à dire qu'elle tourne tout seul, mais on peut pas... Ouais, tant pis. Pourquoi pas celle-ci? Pourquoi pas s'acheter celle-ci quand on aura la possibilité. Après, il y a... La Grindr aussi est pas mal. Je crois qu'il y a des nouveaux véhicules d'ailleurs, hein, vu que par rapport à Flatout 2, ces deux-là ils y étaient pas, je crois. Bon, après on retrouve les véhicules des autres adversaires qu'on connaît déjà, hein. Jack Benton, Sophia, pas Sophia, Cathy Jackson. Ça c'est les nouveaux là. Je crois que c'est Lewis, Curtis et Lay. Je connais déjà les noms des personnes. Oui, on va quitter la concession, on va retourner dans les courses et on va faire le derby, même si je pense pas tenir. Enfin, on va tenter. Au pire je resserrai 2-3 fois. Puis si je vois j'ai du mal à finir premier, parce que surtout face à Francky là, Francky Vincent, avec son 4x4, ça va être un peu compliqué. Là, enfin Ray, on prend déjà en chasse. Donc par rapport aux courses, là on a la vie du véhicule, hein, qui est affichée en bas à droite au niveau de la jauge de nitro, et on a la vie des adversaires avec leur avatar. Petit
c'est vraiment un mode de jeu standard aussi. Faire en, en multijoueur. Par contre, j'ai envie de prendre ma revanche sur, sur Lay. Hey, Lay. Si je la trouve. Je crois qu'elle a déjà défoncé dans celle. Pas rester statique parce que si on a une fâcheuse tendance de foncer dessus et qu'on va Sophia s'habille quand même comment ça va chercher des noises avec son pick-up et Jackson là, hop, Jack Benton hop. Donc c'est pas parce qu'on est le dernier survivant qu'on est forcément le premier, c'est en fonction des points qu'on gagne en, en détruisant les adversaires en, etc. Hop, je 4ème, 5ème. Ah, c'est pas Franck qui est premier, c'est Curtis. Elle m'en veut. Bon, troisième. Pas trop mal, non, sixième, ok. Troisième survivant, mais sixième au classement total. Donc vous voyez, hein, c'est par rapport aux points, par rapport aux accidents, casse, bonus, ça c'est à mon avis, quand on détruit un joueur. Enfin, peut-être pas, parce que j'en ai détruit deux, mais... Enfin bon. On va essayer une ou deux fois supplémentaires. Voir un petit peu s'il y a moyen de se classer un peu mieux. Parce que plus on se classe bien, plus on gagne de crédit. Logique. Par contre on peut recommencer. Les crédits qu'on a gagné avant, on les garde. Ça c'est bien. Là, si on bloque sur une course, on peut la réessayer plusieurs fois pour gagner pas mal de crédits, pour pouvoir acheter ou améliorer un mode d'écu. On va se mettre un peu en retrait là, parce qu'on a trop de produits. Plus assez de... Ok, elle... elle aussi, elle est un peu hein. Ah, je suis deuxième. Vous voyez, c'est bizarre un peu le classement. Là, je suis deuxième. Bon, Frank Malkov, logique, hein, avec son 4-4. Défonce. Bon. Bah, on va rester là. Hein. Je referai quand j'aurai un meilleur véhicule. Ou je l'aurai amélioré, celui-ci. Mais je pense pas le garder. Hein. Et donc, je vais vous montrer aussi le l'autre particularité. Ah, on n'a pas encore débloqué les défis, là, les... Ah mais ils sont pas en fait. La cascade. Non, il n'y a pas les mini-jeux. Sur Flatout 2, il y avait en, en carrière, mais là, il n'y a pas. Bon, je vais pas vous les montrer, vous les montrer dans une autre vidéo. Hein. Allez, on va faire le, on va essayer de faire le contre-la-montre. On va tenter le contre-la-montre, voir si on peut avoir la médaille d'or. Mais j'en doute. Oui, ça c'est le genre de défi qu'il faut faire une fois qu'on a la voiture la meilleure voiture de la catégorie à monter à fond. Surtout qu'on n'a pas de nitro, même si on détruit du décor, on n'a pas de boost assez. Une course classique, à l'ancienne, sans artifice. C'est moi et la voiture. Et sur tout le terrain aussi. Je perds de vitesse, faut pas trop que je perde de temps. Ça a du mal à reprendre, faut pas trop que je freine. Je sais pas trop à quoi pourrait se référencer dans la vraie vie cette voiture hein, comme modèle ou marque. Bon, c'est une américaine. Après laquelle c'est une, ouais, c'est dans une marque qui existe plus. Une vieille muscle car. Un seul car. Genre Oldsmobile ou Bui ou autre. Ouais, c'est peut-être... On arrive à faire un peu penser une Pontiac. Bon voilà. Comme je l'avais dit, pour l'instant je pense pas que je ferai un bon... Ah, mon score, j'ai même pas fait bronze. Ouais, 0 crédit, ok. Bon, on l'aura essayé. Bon, bah, on va enchaîner, hein. On va faire une petite coupe. Celle-ci, de toute façon il y a trois courses partout. C'est des nouveaux circuits, nouveaux environnements.
vous voyez, il y a plusieurs tracés par, par environnement. On a fait le 3 avant, on a fait le 2. Il y a aussi des modes reverse. Plaque d'immatriculation, je crois que c'est le même drapeau. C'est celui qu'on retrouve dans chez FM Hopper avec la General Lee. Je crois pas qu'il y ait de modèle qui s'y réfère dans le jeu. Le Dodge Charger. C'est un chargeur, je confonds avec Challenger des fois. C'est un chargeur, RT. 69. Je sais pas ce qu'il fait avec son 4x4 là, il a décidé de faire du off-road. On est pas dans The Crew mon gars, c'est pas du raid. Bon, je suis en milieu de peloton. Il faudrait prendre de remonter. Après, il faudrait que je prenne l'habitude d'essayer de dégommer du décor pour prendre du boost. Et bon, à 12 c'est un peu dur, sauf que si on est derrière, bah, forcément. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque course on commence toujours à la dernière place. Du coup au début on n'a pas trop l'occasion de choper du boost à part foncer dans les adversaires. Mais ce qui est du décor, tout est défoncé avant notre passage. Ça devient un peu compliqué là. Pourtant je l'ai un peu amélioré là, le véhicule, j'ai acheté des armations de pneus et de suspension. Pas celle-ci mais l'autre là, la Pontiac. Plus dernier tour là. Ouais, petit travers. On profite aussi des fois. Ça va qu'il y a une ouverture, on fonce. C'est bien dans le jeu, il y a une parité, hein, femme-homme. Je crois que c'est ça. Hein. 6 femmes et 6 hommes. Et bizarrement, c'est les femmes qui sont devant. Comme quoi. Le dicton, enfin le. Pas le dicton, mais a priori sur les femmes mauvaises au volant. C'est du fake un peu. Bon, troisième. Ouais, bon. On va continuer quand même. Hein. On va pas recommencer pour une troisième place. Ça se rattrape. Bonus meilleur pilote. Bon bah je vais vous laisser là moi. Je vais pas faire de vidéo trop longue. J'aimerais bien diffuser la première, la seconde et peut-être une troisième dans la même journée. Donc j'essaie de faire des vidéos de 10-15 minutes. Vu que mon upload est pas tip top là où je suis. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Diablo. Salut.